Salut l'équipe, aujourd'hui on fait quoi? On remplace la pile de la Mazda MX-5 ou toute autre Mazda qui ont cette clé-là. Donc la pile dedans c'est une CR2025 et je vais vous montrer comment la démonter avec une carte de crédit ou une carte de lavage comme vous voulez, mais il faut que ça soit très fin pour pas venir mettre des coups de tournevis en fait sur le côté de la clé déjà que c'est des clés fragiles. Donc allez hop, c'est parti. Donc là vous faites quoi? Vous sortez la clé, hop, la clé vous mettez de côté. Voilà, hop. Donc là, la première étape, ça va être de lever la petite encoche ici et la petite encoche ici. Donc là, vous prenez votre carte, tout simple. Hop. Je sais pas si je montre bien. Voilà, vous avez entendu le petit claquement. Et donc là, ça vous fait une petite raie, une raie de cul. Et tu viens mettre ta petite carte de crédit, t'appuies bien et hop, tu viens la mettre. Et en faisant des petits gauche-droite, voilà, vous avez entendu. Tu fais ça dans l'autre sens. Donc, voilà. Et voilà. Là, t'enlèves ton cache. Là, tu viens gentiment avec tes ongles. J'ai pas beaucoup d'ongles, mais ça suffit. Et hop. Donc, la pile, on est d'accord, c'est bien une CR20 25 3 volts. Donc ça, chez le marchand de journaux, tu vas te faire démonter, ça vaut 8 balles. Et généralement, à Carrefour ou quoi, ça vaut 2 euros, 3 euros la pile. Voilà. Donc tu la remets, comme ça. Tu vois, elle rebondit, là. Elle est en pression. Donc ça, en fait, le cache, il vient faire pression. Hop. Une fois que tu l'as appuyé, tu viens remettre ton petit cache proprement. Écoutez bien. Voilà. Gentiment, on appuie, hein, c'est du plastique. Ce qu'on veut, nous, c'est la démonter sans outils. Pour pas la marquer. Voilà. Une fois que c'est fait. Et. Bon, on entend même la voiture dehors. Voilà. Terminé. Sans outils. Pas cher. Voilà les gars. Partagez. Et dites-moi combien de temps vous la durée la batterie de la télécommande. Moi, la durée seulement 1 an dans cette clé-là. Voilà. Dites-moi en commentaire combien de temps la durée. Merci.